Les ateliers du chemin ont été créés dans les années 50 par mon grand-père et mon arrière-grand-père, mais en réalité, il y a des verriers dans la famille depuis le milieu du 19e siècle. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père était peintre à façon vers les années 1856. Il allait d'atelier en atelier faire ce qu'on appelle les carnations, c'est-à-dire les visages, les mains, les pieds et quelques drapés. Parce que dans les ateliers de verrier, il n'y avait pas de peintre à demeure. Les peintres allaient d'atelier en atelier. Ensuite, il y a eu les Duchemin ont continué à être verriers dans d'autres ateliers, particulièrement chez Gruber, où mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-oncle ont travaillé, à l'époque où il est arrivé à Paris, de l'école de Nancy. Et puis mon grand-père dans l'atelier Bonny, au moment où on réalisait les vitraux de Matisse. Et où il a côtoyé Matisse. Donc cette histoire est déjà assez longue. Et puis ils ont même travaillé aussi dans des ateliers de bombage de verre chez Perzel pour fabriquer des luminaires. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit qu'il était peut-être temps de créer leur propre atelier, ce qu'ils ont fait dans les années 50. Là, on est dans le deuxième atelier des ateliers du chemin. Le premier était rue du Faubourg-Saint-Martin. L'atelier est resté là-bas quelques années, mais c'est devenu impraticable en termes de circulation et surtout de livraison de matériel. Et du coup, mon grand-père a décidé de trouver un atelier avec un peu plus d'espace dans la rue pour. Donc, on est ici depuis 1973. C'est l'atelier principal, mais sur le pâté de maison, on a d'autres locaux. Comme on veut rester dans Paris, c'est très difficile d'avoir des grands locaux dans Paris. Donc on cumule plusieurs petits locaux. Dans l'atelier principal, il y a une partie administration, la partie conception. Ici, vous avez les grandes tables à dessin. C'est là qu'on va faire les maquettes. Alors aujourd'hui, beaucoup de choses se font à l'informatique, mais on dessinait beaucoup. On dessine encore pas mal. Ensuite, vous avez la partie traditionnelle avec les tables de montage. Et puis tout au fond, la salle de peinture sur verre. Dans d'autres ateliers, il y a des salles spécifiques, des locaux spécifiques pour la restauration, avec un coffre, monument historique, dans lequel on stocke les éléments de grande valeur, qui doivent être particulièrement protégés. Des plus grands fours pour pouvoir, à l'inverse, cuire des volumes qui sont plus contemporains, la hotte acide. On a un local de stockage et on a un local d'archives. Le fait qu'on soit à Paris, qu'on ait travaillé dans beaucoup d'ateliers avant de créer nos propres ateliers, on était marin, on est devenu armateur, nous a fait travailler de façon peut-être un peu différente de certains verriers de province qui sont très concentrés sur la restauration d'édifices patrimoniaux, églises. À Paris, on a eu la chance effectivement de restaurer des choses, mais plutôt dans le patrimoine bâti, le patrimoine civil. Et puis de travailler aussi beaucoup avec des décorateurs, des artistes contemporains, et ça c'est un événement fondamental pour les ateliers du chemin, la relation avec les artistes contemporains et avec les designers. Et aujourd'hui, on a la chance de travailler avec un jeune designer qui s'appelle Pierre-Marie. Il est ornemaniste, ça n'est pas un gros mot de faire de l'ornement. Et de travailler le médium verre, le médium vitrail, dans son fondement en fait, c'est-à-dire créer un décor qui va filtrer l'extérieur pour l'intérieur et créer une image virtuelle, un décor virtuel qui va habiller l'espace. Et Pierre-Marie a parfaitement compris en fait cet art décoratif qu'est le vitrail. Et quand on travaille ensemble, il nous fournit presque comme un cartonnier du 19e siècle, des éléments graphiques qui sont déjà extrêmement aboutis et où notre conversation est relativement simple. Il sait aller puiser toutes les richesses techniques du vitrail, qu'elles soient complexes ou simples, utiliser les matériaux avec tout ce qu'ils peuvent proposer. On est ici dans la salle de montage, qui est aussi la salle de coupe. Mais c'est le lieu où on va couper les verres et faire le sertissage, le montage en plomb. Stéphanie est en train de faire le sertissage d'un des éléments du vitrail de Pierre-Marie. C'est un montage assez complexe,
avec beaucoup de petites pièces et pas mal de symétrie. On fait un montage en plomb assez mince, en plomb 5. Vous pouvez constater que Stéphanie monte sur calque, ce qui peut arriver parfois quand le modèle, le graphisme est très compliqué et que certaines pièces en symétrie peuvent, si on les a mal déplacées, se mettre à l'envers. Elle met aussi, vous le constatez, des clous pour tenir les pièces de verre, donc le clou directement contre la pièce de verre, ou clous avec une cale pour maintenir le plomb collé à la pièce de verre. On enfile une cale dans le profilé du plomb, on cloute et ça tient le vitrail serré. On commence toujours dans un angle et on évolue de la gauche vers la droite. Il faut que je vous précise que ce calque, en fait, est une étape obligatoire du vitrail. Le calque va servir, c'est une sorte de, comme pour le puzzle, le repérage numéroté des pièces de verre. Parfois même, on indique la coloration dessus. On le réalise en atelier. Je le soumets évidemment à Pierre-Marie, mais comme on a résolu la plupart des problèmes avant, en général, il n'y a pas de souci. Et Pierre-Marie poursuit ce chemin d'exploration du vitrail. En nous accompagnant pour l'exposition à des matières qui se tiendra, pardon, j'espère, au mois de mars au Palais d'Iéna, où il crée une œuvre qui s'appelle La Corne d'Abondance, qui va être organisée de plusieurs petits panneaux dans un lieu où il y aura peu de lumière, et donc on va jouer sur les matières et les apparitions de couleurs. Donc sur ce projet, Pierre-Marie met en œuvre, finalement, il tire une connaissance certaine. À chaque fois qu'on a travaillé ensemble, on a mené un certain nombre d'expériences. On a fait travailler la matière verte dans des voies tout à fait spécifiques. Et à chaque fois, il conserve, il puise ses recherches et il les fait apparaître dans ses nouveaux projets. Donc là, c'est aussi un petit bijou dans lequel on va retrouver toutes les techniques du vitrail traditionnel, donc la coupe, le sertissage, la peinture sur verre, la gravure à l'acide, la gravure au sable. Et il va même y incorporer un élément qui a été surtout incorporé au moment de l'art décoratif, c'est-à-dire l'inclusion de miroirs qui ne laissent pas passer la lumière, mais qui vient refléter les lumières périphériques et créer une nouvelle ambiance ou un nouveau mouvement coloré. Donc parmi les techniques traditionnelles que Pierre-Marie va utiliser, il va y avoir la gravure à l'acide, qui est une technique relativement ancienne, qui a été créée parce que on a un matériau qui s'appelle le verre plaqué, qui a été très vite inventé par les verriers, parce que lorsqu'ils soufflaient le verre de couleur, le pigment utilisé pour fabriquer le verre rouge était beaucoup trop intense, et quand ils soufflaient le verre rouge, il était noir. Il a fallu donc inventer un procédé pour obtenir un verre rouge, c'est-à-dire prendre un élément de verre incolore sur lequel on vient ensuite, au moment du soufflage, déposer une fine pellicule de verre de couleur. Ce qui fait qu'on a un monolithe, mais bicouche, avec un verre incolore et un verre coloré qu'on va pouvoir venir attaquer à l'acide en faisant soit une réserve avec un plastique, par exemple, pour faire une gravure droite, soit en utilisant de la peinture ou des craies plastifiées qui vont créer la réserve. Et on va venir, donc ici tout était réservé, et on va venir attaquer la pellicule de couleur, soit totalement, on enlève complètement la couleur, soit en dégradé. Et on a des verres plaqués sur blanc, mais aussi on a des verres couleur sur couleur. Là c'est un rouge sur bleu. On peut aussi, comme dans le vitrail traditionnel, faire ce qu'on appelle de la peinture sur verre. Alors, il y en a toujours eu depuis le Moyen-Âge. Le but, en réalité, de la peinture sur verre au départ, c'est de créer le dessin que la plombure ne peut pas créer et faire oublier la plombure. On ne doit pas voir le plomb. Dans les églises, les vitraux du XIIIe jusqu'au XVIe, le plomb est un élément qui disparaît sous la peinture. Donc on vient en fait assombrir des zones
pour créer un graphisme. Alors ça peut être sur un fruit, sur un visage. En l'occurrence sur les vitraux de Pierre-Marie, là, ça va être des fleurs, des pompons, des fruits, des rubans. Au tout début, on utilise uniquement ce qu'on appelle des grisailles, c'est-à-dire des terres sombres qui vont, quand on va les cuire au four, le verre va fondre très légèrement à sa surface et ces terres vont rentrer dans cette pellicule molle du verre. Donc les grisailles sont juste des façons de créer du clair-obscur, de faire des ombres, du dessin. Et on a aussi ce qu'on appelle des émaux. Alors les émaux, c'est une poudre de verre très fine qui va être de la même manière importée sur le verre, qui va fondre en même temps que le verre sur cette pellicule et qui va le colorer. Donc les émaux, on a plusieurs couleurs. Et puis les éléments fondamentaux et qui sont beaucoup utilisés par Pierre-Marie, c'est ce qu'on appelle le jaune d'argent. C'est un sel d'argent qui est déplacé par une terre, mais c'est un oxyde d'argent qui va lui, non pas rentrer dans le verre, mais transformer très légèrement la surface du verre et le rendre jaune. Alors dans le métier de verrier, particulièrement aux ateliers du chemin, il y a une grande part de création, de collaboration avec les artistes, et les architectes ou les designers, mais comme dans tout atelier de vitrail, il y a une grosse partie restauration et restitution ou reconstitution d'éléments faussement anciens, mais pour réhabiller des lieux patrimoniaux. On travaille actuellement au château du Clos-Lucé. On a refait un certain nombre de vitraux dans le bâtiment principal avec ce qu'on appelle des opus incertum, c'est-à-dire des pièces anciennes collectées mais qui ne fonctionnent plus ensemble, qui sont des restes d'éléments anciens qu'on est venu réinsérer dans une vitrerie de l'époque avec ce qu'on appelle un ton battu, c'est-à-dire des couleurs très pâles qui sont mélangés de manière totalement aléatoire sur cette vitrerie qui est soit un losange, soit un rectangle. Là actuellement nous retravaillons donc dans ce lieu. On est accompagné d'un architecte en chef des monuments historiques, monsieur de Saint-Jouan. On travaille sur le prieuré et on restitue des vitraux dans ce prieuré avec toute une partie en vitraux losangés, vitrerie losangée ton battu, rectangle ton battu et des panneaux avec des cives. Alors les cives, c'est ce qu'on appelle aussi le cul de bouteille. On en a de toutes les couleurs, il y en a des petites et des grandes. Et c'est en réalité une des façons de souffler le verre en feuille, de souffler le verre plat. Quentin est en train de nettoyer un panneau de cive qu'il a donc précédemment serti. Ce sont des cives montées en plomb et il les a ensuite mastiquées avec un gros pinceau et un mastic, c'est-à-dire de l'huile de lin et du blanc de meudon, de la craie et de la teinture pour lui donner un aspect gris qui ressemble au plomb et qu'on ne verra pas. Il va venir insérer sous le plomb, entre le verre et le plomb, cette pâte élastique qui va créer rigidité et étanchéité au vitrail. Ensuite, cette pâte va être un peu étalée sur tout le verre. Donc, comme vous voyez, il le nettoie, il va brosser afin de patiner les plombures, d'enlever le surplus de gras. Ces panneaux vont sécher et ils seront renettoyés ensuite pour enlever vraiment tous les résidus de gras, de sure et d'éléments qui pourraient donner un aspect sale au vitrail. Donc là, c'est petit pour utiliser dans une vitrerie décorative, mais c'était aussi pour fabriquer du verre pour le vitrail. Donc de plus grand format, parfois même encore plus grand. La technique est comme le jongleur d'assiettes finalement dans les cirques. Le souffleur va souffler une boule de verre qui va commencer à faire tourner et par
inertie, je dirais, elle va commencer à s'étaler, à s'ouvrir. Et puis ensuite, il va même réellement prendre sa canne à la verticale et continuer à la faire tourner. Et par un subtil jeu de va-et-vient, essayer de la rendre la plus plane possible. Alors un chantier peut être emblématique soit parce qu'il nous aura obligé à mettre en œuvre une certaine technicité, parfois même une prouesse technique, soit par sa surface, parce que le chantier a traité très 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 très, très grand, soit par l'époque, quand il s'agit de restauration. Ici en l'occurrence, il s'agit d'une verrière zénitale en forme, de dôme, mais plutôt de mouchoir avec double arc. C'est dans une villa, une résidence privée à Gstaad, en Suisse. Et il a fallu mettre en œuvre une technique un petit peu différente de la technique traditionnelle du vitrail, bien que ce soit traditionnel, mais pas vraiment en France. En France, c'est arrivé un peu plus tard. Donc, on fait du sertissage au plomb, c'est un profilé en hache, et ça, c'est le vitrail traditionnel. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le montage Tiffany. En l'occurrence, ici, ce sont des ailes de cuivre collées sur la tranche du verre et qui vont ensuite être soudées à l'étain et qui nous permettent de varier les épaisseurs, non seulement sur une pièce, mais dans la pièce. Parfois, on peut avoir du large, ce qu'on ne peut pas faire avec le plomb. Et ce qui était un peu spécifique ici, c'est que la structure était complexe de mise en œuvre du fait de ces deux courbes et qu'il a fallu faire ce montage sur moule parce que le montage Tiffany est plus difficile à courber après montage. Donc on a monté sur moule. C'est une pâte de verre américaine. Dedans, il y a ce qu'on appelle des verres chamarrés opalescents. Et ils ont une petite subtilité, c'est que donc déjà ils changent de couleur à la lumière beaucoup. Ils se passent de très jaune à très blanc. Et lorsqu'il n'y a pas de lumière du tout, ils existent en termes de couleur. Ce que n'a pas le verre soufflé coloré dans la masse. Il n'est pas coloré, c'est-à-dire que quand il n'est pas traversé par la lumière, il s'éteint. Par exemple, là la cive. Vous la voyez rouge, mais bon, voilà, elle est plutôt peu colorée. Et en pleine lumière, elle est très rouge. Nous travaillons depuis un certain temps sur la restauration de la verrière de la Société Générale, le siège social de la Société Générale, qui date du début du XXe. Sur la maquette en volume que vous voyez ici, il s'agit en réalité que du dôme central de la verrière. Ensuite, il y a le second dôme qui est plus grand. Cette verrière fait 18 mètres de diamètre. Cette verrière est suspendue à 23 mètres du sol. Il s'agit d'une verrière décorative. En fait, toutes les verrières de ce type de bâtiment, que ce soit les Galeries Lafayette, le Printemps, la Société Générale, les vitraux ne créent pas l'étanchéité de l'édifice. Il y a une verrière architecturale par-dessus qui vient créer cette étanchéité. On a déjà travaillé sur cette verrière, on a restauré intégralement le dôme principal. On est en train actuellement de restaurer les parties verticales parce que ce qu'il y a de particulier dans cette verrière, c'est qu'elle a un dôme, puis un autre dôme et des vitraux en partie verticale tout autour de ce dôme. On est en train actuellement de travailler sur ces parties verticales et on va bientôt attaquer la partie la plus complexe du dôme parce que très escarpée, il va falloir mettre en œuvre tout un système pour l'intervention. Le but dans cette restauration aussi, on est accompagné d'un architecte des bâtiments de France, il y a beaucoup de verres cassés qui n'existent plus. Et que nous sommes obligés de rééditer ou en tous les cas de trouver le matériau le plus proche en termes d'impression de la matière et en termes de couleur. C'est beaucoup de travail en amont pour définir les matériaux qu'on va utiliser. C'est un chantier qui est assez exceptionnel de par pas seulement ce qu'on fait en atelier, qui est relativement finalement standard, trouver des verres en raccord et par contre, d'intervention sur site, c'est du travail de nuit, puisque la banque fonctionne toujours.
et de accompagné de cordistes avec une intervention sur site qui est relativement périlleuse pour les gens qui travaillent et pour les vitraux qu'on dépose. C'est une verrière qui contient un grand nombre de verres imprimés qui viennent jouer avec la lumière et avec des motifs floraux assez subtils. Donc ces verres sont des verres texturés, imprimés. Ici, là, il s'agit on appelle ça un chenillé jaune. Ce chenillé-là n'existe plus. Il y a un chenillé contemporain qui est un peu plus mou, un peu moins rainuré, qu'on utilise et qu'on vient traiter avec des jaunes d'argent et des émaux pour essayer d'obtenir la couleur la plus proche, la plus satisfaisante à grande distance. Donc là, sur ce verre-là, qui est uni en termes de couleur, mais on l'a aussi, où là, il faut créer du motif. C'est un autre imprimé avec des éléments chamarrés. Alors, en réalité, on pourrait croire que ce verre est blanc, mais d'origine, il est jaune pâle, là. Et on vient rajouter des jaunes d'argent. Alors là, on ne voit pas bien à travers. J'ai mes scotchs qui tiennent mon petit morceau tout cassé, mais... Et donc, ces verres, on les appelle des verres imprimés parce qu'ils sont réellement imprimés. Ils sont coulés sur un plateau et ensuite il y a un rouleau mécanique qui vient donner une impression à ces verres. Comme sur ces catalogues anciens, où on vient voir ici, à l'époque il devait s'appeler le grand diamanté, mais aujourd'hui c'est le goutte d'eau, voilà, les verres striés. Aujourd'hui on appellerait ça un imprimé 77, mais il y en a surtout beaucoup qui ont disparu. Celui-là était très beau. Et on a la chance d'avoir ces petits carnets qui servaient, là c'est le petit cube, qui servait aussi de motif quand on faisait le papier peint, ou c'était des motifs récurrents de l'époque. Il s'agit là des vitraux de Stéphane Belzer à la cathédrale de Rodez. Stéphane Belzer est un artiste franco-suisse qui a un travail pictural figuratif et très poussé. Il a eu en charge, il a gagné le concours pour réaliser 14 baies à la cathédrale de Rodez. Ces baies sont très grandes, elles démarrent à 6,50 m du sol et font elles-mêmes entre 6,50 m et 8 m. Il avait un cahier des charges très très précis. Et autant dans toutes les parties basses de son vitrail, c'est-à-dire ce qu'on appelle les lancettes, des techniques traditionnelles ont pu être mises en œuvre, la coupe, le sertissage, la peinture, le jaune d'argent, la gravure à l'acide, etc. Mais dans les parties hautes, découpées, ce qu'on appelle les remplages, ici, on lui demandait de représenter Dieu ou un esprit divin, chose complexe quand on est un artiste figuratif. Comme il travaillait aussi sur l'image médicale, il s'est dit que peut-être la meilleure façon de représenter un esprit était une IRM de cerveau. Quand il nous a amené cette maquette, on a été emballés, mais il se trouve que la complexité de l'imbrication des éléments de couleur et leur petitesse ne nous permettait pas de mettre en œuvre une technique traditionnelle de sertissage. Et là, on a mis en route une réflexion et une innovation. Ce qu'on ne fait jamais dans le vide, en fait, dans l'atelier, on ne fait pas de recherche innovante sans but, puisque comme on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. Donc il faut d'abord avoir une nécessité de mettre en œuvre cette recherche. C'est une technique américaine qui s'appelle le fusing, que les Américains ont inventé il y a une trentaine d'années, plus particulièrement pour faire de l'objet. Le but n'était pas du tout de travailler sur des surfaces monumentales. C'est arrivé en France un petit peu après eux, il y a une vingtaine d'années. Et les verriers français ne se sont pas tout de suite attaqués à cette nouvelle technique. Quand on a dû réaliser ce projet, il se trouve que j'avais dans l'atelier, par certains de nos fournisseurs, des poudres de verre, ce qu'on appelle de la frite, c'est-à-dire du verre concassé avec des granulométries différentes, qui sont faites pour être fusionnées sur un verre support.
Petite anecdote, je revenais d'un voyage en Inde et j'avais vu la fabrication de mandalas. Et on s'est dit, puisqu'on a des poudres qui ressemblent à du sable et qu'on doit faire un dessin qui finalement ressemble à ces imbrications de poudre, de couleurs, comme un mandala, si on utilisait cette technique. Et donc on s'est fabriqué des cônes en carton. Et puis j'ai commencé à réaliser ce prototype qui n'est pas le meilleur, mais qui représente bien en fait le but recherché, c'est-à-dire d'avoir un monolithe multicolore. Donc quand on a eu cette idée de mandala, on a essayé de le mettre en œuvre exactement comme les moines réalisent ces mandalas. Eux, ils ont un cône en métal qui est strié tout du long et ils viennent avec une autre tige métallique frotter sur ces stries, ce qui fait tomber le sable de manière extrêmement régulière. Je me suis donc procuré un cône en métal et il se trouve qu'avec le verre, ça ne fonctionnait pas, ça ne coulait pas comme je voulais. Donc j'ai fabriqué un cône en carton et au lieu de frotter ce cône, j'ai tapoté dessus. Ce qui fait que au tout début de mon expérience, il a fallu que j'habitue mon geste à pas créer des tas de petits pâtés les uns à côté des autres, mais trouver un geste plus fluide. Donc quand on a commencé à réaliser, on a fait des tirages grandeur de cette IRM. Je posais le verre support sur cette image et je venais suivre toute cette résille, tous ces chemins de couleurs. Donc les poudres sont opaques, très vite je ne vois plus le dessin que j'ai en dessous. Et au moment où on va mettre ce verre au four, on va le cuire selon les procédés entre 800 et 830 degrés, tout va s'affaisser, tout va devenir mou et je crée ce qu'on voit très bien ici, des jours, des manques, des aspérités qui n'étaient pas très élégantes et qui surtout à grande distance et avec un éclairage puissant d'une verrière, la lumière allait passer trop fortement et ronger les couleurs. Donc il a fallu que j'apprenne à plus compacter la matière, les superposer, venir les imbriquer. Alors parfois un projet est aussi emblématique parce qu'il nous fait sortir un tout petit peu, il nous fait faire un pas de côté par rapport au vitrail. On a eu la chance de travailler avec Anne et Patrick Poirier, des artistes contemporains, que j'aime beaucoup d'ailleurs, pour l'église Sainte-Croix d'Ivry, où ils ont réalisé des vitraux. Et puis, quelques temps après, ils sont revenus nous voir parce qu'ils avaient une commande d'un collectionneur italien qui venait d'acheter une demeure 17e dans laquelle il y avait un salon de musique. Et là, les collectionneurs pour cette demeure en Italie voulaient, il y avait un salon de musique 17e dans lequel ils voulaient vivre dans un poirier. Ils leur ont demandé de créer une œuvre qui habille totalement la pièce. Ils voulaient recréer, c'est dans un vignoble en Italie, et recréer comme un paysage de ce vignoble à l'intérieur de cette pièce. On a donc commencé à réfléchir sur, donc ils nous avaient fait un dessin qui était finalement un calepinage avec une gamme colorée partant de la terre au ciel et dans lequel seraient inclus aussi des mots. On s'est très vite dit que finalement fabriquer du thym, c'est-à-dire faire un verre argenté, une argenture à façon, ça se faisait sur du verre clair, mais ça pouvait sans doute se faire sur n'importe quel autre verre. Et donc, on a utilisé des verres soufflés, antiques, soufflés à la bouche, qu'on a ensuite fait argenter à façon, puis redécouper et calpiner selon le dessin d'Anne et Patrick Poirier. Donc, on sort un peu du vitrail parce que là, il n'y a pas de montage. On recouvre les murs. On recouvre cette façade et en réalité, ce jardin de musique donne sur le vignoble. Le vignoble se reflète dans ce calepinage de miroir aux couleurs du vignoble. Et puis, avec un autre collectionneur, toujours avec Anne et Patrick Poirier, un peu le même procédé, un collectionneur qui a acheté un palais à Palerme qui s'appelle Palazzo Butera, dans lequel il y a un salon dans lequel il y a des fausses fenêtres, des fenêtres bouchées en ogive que Anne et Patrick Poirier ont habillées. Et cette fois-ci, on y a rajouté un élément encore un peu différent, c'est qu'on a peint à l'or, cuit au four, mais de l'or vraiment, une série de mots.
Ici, nous sommes dans la dernière pièce de l'atelier, dans la salle de peinture, avec la peintre Déborah, qui ne fait que ça, que la peinture sur verre, qui ne s'occupe pas de la coupe, du sertissage. Et vous avez devant vous là un grand verre peint. Nous sommes en train de restituer dans un immeuble ruré au mur, qui doit être fin 19e, début 20e, toute la cage d'escalier qui est faite avec ce qu'on appelle des émaux-reliefs. Dans les techniques de peinture sur verre, il y a la grisaille, le jaune d'argent et les émaux. Et ceux-ci sont un peu spécifiques, c'est-à-dire qu'ils créent un volume. Ils ne sont pas peints comme la grisaille, par exemple, qui est faite soit au trait, soit par modelé avec du blairotage et des sortes de lavis, des ombres. Ils sont posés à la goutte. Ils viennent remplir un espace comme un cloisonné, très légèrement en volume et avec un peu d'opacité. Dans le cadre de cette restitution, il ne s'agit pas non uniquement de restituer le dessin, mais aussi de restituer la matière. Ces émaux en relief n'existent plus et il faut trouver des moyens de recréer cet émail relief mat. Il y a aussi ce que Déborah est en train de faire juste derrière, qui est plus spécifique de la peinture sur verre à la française, qui n'existe nulle part ailleurs. On est en train de réaliser pour des clients privés une sorte de pastiche 17e, 18e, avec des bordures type opus incertum, comme si on avait récupéré des pièces de verre anciennes qu'on viendra mettre en bordure. Et elle est en train de peindre des petits médaillons qui sont des singeries, qui sont des fresques du château de Chantilly. Le métier de verrier ou de maître verrier reste malgré tout un métier d'avenir quand il travaille dans le passé. C'est-à-dire que je pense que les restaurateurs auront toujours du travail en France. C'est le plus gros patrimoine verrier du monde, avec plus de 90 000 m² de verrière en France. En ce qui concerne la création, avec les artistes contemporains, je pense qu'une demande peut toujours persister, parce que quand on fait un vitrail, c'est une œuvre extrêmement pérenne, c'est pour des siècles et des siècles. Un vitrail commence à s'endommager, à perdre ses mastiques au bout de 70 ans, donc c'est très long. Même si les ouvertures aujourd'hui se sont beaucoup agrandies, et le vitrail n'est pas très adapté aux très grandes fenêtres, les verriers ont toujours trouvé des moyens détournés de mettre en œuvre une nouvelle esthétique du vitrail. Et je me dis que finalement, tant qu'il y aura une demande créative autour du vitrail, du beau, de l'esthétique, il y aura un avenir pour le vitrail.